avant de cacher le bien. Bonjour, l'honorable Mariam Traoré, député de Tenguela, qui foule le sort du Grégoire, c'est l'honneur, cette considération. Soyez la bienvenue, honorable, pour le comité d'accueil, au premier plan président de Grégoire. Le vice-président, le doyen et les autres membres du GREC. Chers amis, et pour notre honorable, le seul bien de l'Europe, et s'il vous plaît, vous faire un salut pour les choses à tout le monde. Encore une fois, merci. Merci pour l'honneur, merci pour votre présence passée. Honorable Mariam Traoré, députée de Tenguela, Pierre Mourgon, elle va saluer le président du Grain, M. Kamara Bazoumana. M. Kamara Bazoumana, le président du Grain. Une photo. Du Grain le Golf. Bagayoko Mano, du Grain le Golf. Bamba Lamine, membre du Grain, en même temps, homme des mains, représentant des mains. Monsieur Traoré, secrétaire d'organisation, Monsieur Kounsler. Nous accueillons l'honorable Madame Traoré pour nous faire l'honneur. Soyez la bienvenue, honorable. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, honorable. Honorable, je vais passer avec vous. Ces soeurs qui sont venus massivement. On applaudit honorable, honorable qui salue les dames. Merci honorable de l'honneur que vous nous faites. Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Honorable qui salue, les dames, merci, merci honorable, merci. Merci, le temps que honorable échange. Merci honorable. Merci pour l'honneur. Honorable parce que. À s'installer. Merci, merci honorable. Nous sommes très honorés pour y se répéter. Merci. Nous sommes honorables. Veuillez vous asseoir. Merci, merci. Nous avons notre capitaine des femmes ici. Non, nous avons notre maman ici. Présent. Nous avons notre maman ici, du golf. Voilà. Voilà. Ça, c'est la maman du golf qui est là. Voilà. Merci. Merci. Ok. Merci. Ok. L'honorable Madame Traoré, députée de Tenguela, membre impliant du RHDP. Monsieur le Président du Grégoire, Monsieur le Vice-président, Messieurs les responsables de Grain, chères mamans, femmes d'association féminine, Messieurs les membres de Grain, chers amis de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités.
l'honneur, le choix, en ma qualité de secrétaire général du Bureau de Corse et maître de cérémonie maison, et dit en votre nom, en notre nom, merci au roi, merci de nous rendre visite. Nous sommes très heureux, très honorés. La rencontre de ce soir était du sceau de la fraternité. Nous avons été témoins du coup de fil, hein, si c'est Moustapha Pablo de vous. Sans hésiter, vous avez répondu à l'invitation. Et les responsables de Grain ont validé que ces choses faites, tout cela s'est trouvé en moins d'une semaine. C'est-à-dire que vous accordez de l'importance au Grain, à la part. Encore une fois, merci. Ici, c'est le Grain Golf. Anciennement, c'était les Amis du Dialogue, en référence au cinéma du Dialogue. Et aussi la vertu du dialogue que les Grains véhiculent. Avec le temps, après la crise, puisque tout le monde venait ici s'abreuver d'avoir les informations, nous avons pris le nom, adopté le nom Golf. Donc c'est ici le Grain Golf. En même temps, le siège de la coordination des Grains de Yopougon, l'ensemble des Grains de Yopougon. Et donc notre président a une bonne casquette, il est président du Grain Golf, en même temps le président communal. Moi-même, votre serviteur, je suis le secrétaire du Grain Golf, je suis le secrétaire communal. Merci. Je vais vous donner rapidement le déroulé de la rencontre de ce soir. Tout à l'heure, vous aurez le mot de bienvenue du président, M. Camara Pazoumana, et l'intervention de M. Moustapha Pablo, grâce à qui vous êtes là, il va vous présenter de façon succincte et il sait très bien le faire. Après ça, vous allez dire un mot et puis quelques préoccupations. Moi-même, je poserai la première question. Tout cela dans un maximum de 50 minutes. Mais juste pour échanger, nous sommes vraiment heureux de votre présence. Okay. Pour ne pas trop traîner, on aura la propre permission. Le président du Grain Golf, M. Camara Pazoumana, va vous dire le mot de bienvenue. Président. Honorable Mariam Traoré, je m'adresse à vous ainsi qu'à votre délégation qui vous accompagne. Et comme nous sommes dans la logique de la fête des mères, je ne saurais rester en vie. Il fallait que je vous aide pour le respect que nous portons aux femmes. Et comme vous êtes une femme qui représente mieux les femmes, on ne peut pas s'asseoir. Ceci étant, avant de vous adresser le nom de bienvenue, je vais vous présenter d'abord la soutien qui vous accueille à l'Ukraine. Le secrétaire général vient de dire ici, c'est grand le corps. Nous avons 35 antennes comme ça dans notre organisation sur toute l'étendue du territoire communal. Et les responsables que vous voyez là sont les responsables des différents points du fond. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, madame, vous êtes important, c'est tous les grains de Yopougon qui vous reçoivent aujourd'hui. Ceci étant, vous ne pas trop traîner, ce qui est pour, il ne faut pas rendre ça long. Bienvenue à Seo, à Yoka, y danser. Je vous remercie. Ok. Merci, Président. Avant l'intervention de Pablo Cissé, je vais présenter les amis qui nous font l'honneur d'honorer notre cérémonie. C'est d'abord une cérémonie marquée du saut des grains et donc nous avons le grain Siboji représenté par M. Tansoko. Nous avons le grain Soutra représenté par M. Thio. Le grain Shanghai, représenté par M. Koulibaly.
le grain en bas de M. Soumaoro, le grain sagesse Terminus 40 représenté par M. Fadiga, le grain du G représenté par M. Roman, le grain AGA Ambokwa par M. Bamba, le grain Avocatier par M. Diomandé, le grain Phoenix par M. Fofana, le grain Garage par M. Collier, les artisans, le groupe Baron et j'en passe. Et ce sont ceux dont les noms ne figurent pas pour l'instant sur la liste. Nous avons avec nous des dames, des mamans qui nous ont fait l'honneur vraiment de donner des éclats. Vous allez m'excuser de donner des éclats à cette cérémonie. Nous avons avec nous l'association des femmes engagées pour l'église Gawara. Nous avons l'association La Sentinelle, présidée par Nathalie. Nous avons le groupe Tanti Choco, la capitaine des dames. Merci. Nous avons l'association des femmes d'Orgue, présentée par Sabasi. Je crois bien avec les associations féminines, c'est ça. Honorable, dès l'apparition sur les réseaux sociaux de votre participation, vous avez des amis qui ont bien voulu assister à cette rencontre. Au nom de ceux-là, le président de l'OIG, Ahmed Kouchida Touboumé, qui a effectué le déplacement avec Salaboro. Vous connaissez bien. Nous avons également M. Isiaka, qui est un responsable politique à Boudi. Nous avons l'un des responsables du tout premier café du Yopougon, M. Touré, le café Christophe Bodo. Mes amis m'en voudront, honorable, si je ne présente pas le bureau du grain qui vous reçoit. Comme je l'ai dit tantôt, le président M. Camara, le vice-président M. Kakaïko, connu sous le nom de POC, moi-même le secrétaire général, notre doyen d'âge, M. Gallé, M. Traoré, M. Kakaïko Mando, et tous les autres membres. J'ai amené un peu de temps, je prends les points. Le prochain point, c'est l'intervention de Cissé Moustapha Kabo. C'est grâce à lui que nous recevons ici aujourd'hui. Il est conseiller en stratégie politique, expert de transport, bel orateur, membre du bureau du golf, membre du bureau communal. Je ne vais même pas compléter, la liste est tellement longue. Kabo, vraiment merci pour ton engagement, pour ton ouverture d'esprit et pour les occasions que tu offres au golf. Pardon, tu as la parole. Honorable Marie-Amour Traoré, je dis bien honorable, parce que si quelqu'un doit être fier de son parcours, c'est bien moi. Je suis fier de son parcours, parce que je l'ai connu en 92-93 dans une compagnie de transport. Même par sa démarche, on voyait son avenir qui profilait à l'horizon. Par sa façon de parler, la richesse de ses idées, sans être un visionnaire patenté, j'ai su qu'elle allait devenir quelqu'un. Au nom du genre quelqu'un. Si je dois faire le glossaire de sa personnalité, non, on ne va pas partir d'ici. Parce que son CV, le CV est prêt. Le CV est prêt. Et on va commencer par son action qui constitue pour moi la pierre tournante de sa personnalité. Une femme qui défie l'autorité, qui postule en tant que candidate à la présidence de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire.
faites mal et on peut le faire. Mais c'est parce que pour l'harmonie de notre structure politique, qu'elle a percé pavillon et elle a salué. Donc, maintenant nous allons faire un rétro-pédalage pour rentrer dans son histoire, pour voir qui est Mariam. Je suis fier parce que je l'ai connu il y a aujourd'hui 26, 27 ou 30 ans. Et sa carrière, on va commencer d'abord par sa carrière, son expérience professionnelle. C'est vraiment long que on va cisailler. Donc, elle fut conseillère municipale à la commune de Tengrela. Et ça, c'était en 2013 et 2002. 2011-2016, députée à l'Assemblée nationale pour la première mandature. En 2019, elle était coordonnatrice associée de la région de la Bagoué. En 2019, secrétaire générale des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire. 1999 jusqu'en 2021, fondatrice du groupe scolaire international Les Cils. 2017-2021, directrice générale du groupe Cœur International Society. Ça, c'est en anglais. 2017-2020, vice-présidente nationale des députés panafricains. 2021, troisième mandature pour l'Assemblée nationale. Ça, c'est côté professionnel. Maintenant, parcours politique. On va commencer par le bas, évidemment. Je vous dis, si on veut faire tout ça, on ne va pas vous en sortir. Ce qu'on voudrait dire, il faut reconnaître que c'est une femme patente, c'est une femme engagée, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et pour le reste, elle-même va déployer sa personnalité. Je pense que l'eau qui sort de la bouche de la souris est bien glacée. Et quand la tête est là, le genou ne saurait porter le chapeau. Donc je lui donne la parole. Merci Pablo. Juste préparer une heure. Nous avons Madame Prévalie Kadim, qui est la seule responsable des grains parmi nous aussi. Grain sport aussi pour nous. Merci. Honorable, vous êtes l'invité principal. Et à tout seigneur tout honneur, nous vous donnons le micro. Un mot à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui sont venus plus de vous. On se lève, vous compassionnez, honorable. J'ai demandé d'observer une minute de silence pour mes deux grands frères, le premier ministre Amadou Koulibaly et Alain Bakayoko. Depuis qu'ils sont partis, je n'ai pas voulu descendre un peu dans la commune d'Abidjan et ça a coïncidé avec les élections législatives. Nous avons fait les funérailles. J'avais même décidé de me retrancher un peu
Mais avant de commencer, j'ai demandé une minute de silence parce que ces deux-là, même à l'au-delà, sont des soutiens pour Mariam Traoré. Même à l'au-delà, j'ai leur bénédiction. Donc avant de commencer, je voudrais leur demander la permission. Merci à tous. Merci. Merci au grain du golf de Yopougon de me recevoir. Merci au président Tamara et à tout son bureau. Merci au vice-président. Merci à Pablo. C'est vrai, Pablo me connaît depuis près de 30 ans. Il me connaît. Quand on dit on connaît, on se connaît. Il me connaît. Quand je disais à Pablo, on lâche tout et puis on s'en va à la rue et puis on m'a brouillé pour arriver là où nous sommes. Parce que j'étais là à la création du RDR. La soucière. Parce que nous avions eu des hommes et des femmes valables. Avant de commencer, je préfère ici aussi féliciter notre anti-nationale, notre tanti Henriette Agoutiabaté, notre référence. J'aimerais encore, avant de commencer, saluer Jenny Koubina. Parce que j'étais là quand on allait louer la villa de la rue de Pic pour faire de là-bas votre siège. Madame Traoré était là. Quand on parle de la rue Lépic, c'est un village, c'est un village, c'est une maison, c'est une cour familiale. Je félicite ces personnes-là. Je leur dis merci. Ils m'ont élevé, je peux dire, dans la détresse et avec force, détermination. C'est ce que je vis à moi. Donc, Madame Traoré n'a peur de rien. Je sais que les militants du RDR, UDPCI, RHDP qui sont à Yopougon, qui sont actuellement au golf, n'ont peur de rien. Quand Pablo m'a dit, vous êtes arrivé de Johannesburg, on vous attend au golf. Je suis dit, quand on dit au golf, Madame Traoré aussi était au golf d'Abidjan. Donc, vraiment chaud, j'étais au golf. Je suis fier d'être au golf aujourd'hui parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Nous étions là avec notre mentor. Au passage, je salue notre mentor, notre guide, le docteur Alassane Dramane-Ouattara. Le président de tous les Ivoiriens, sans exception. Je dis bien, le président de tous les Ivoiriens. Le président de même ceux qui sont en exil depuis 10 ans, on leur donne des miettes pour insulter le président Ouattara en longueur de journée. C'est Alassane Ouattara qui est le président, ce n'est pas un débat. Le président de tous les Ivoiriens aujourd'hui qui ne le reconnaissent pas, qui, avant même de mettre les pieds sur le sol ivoirien, demande la permission. Quand on ne reconnaît pas quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de demander la permission? On l'écrit, on envoie des messages, on envoie des chants vers lui. Pardon, je vais venir en Côte d'Ivoire. Ils sont fatigués. Alassane Ouattara est un homme juste. Est un homme crédible. J'ai vu des journaleux, parce que je ne sais pas si on peut les appeler des journalistes. On peut leur attribuer tous les noms. J'ai vu un dans la presse hier à minuit qui disait oui que il y a un ministre français qui appelle Alassane Ouattara Alassane. Il dit, ah, il a changé alors. Un ministre français qui appelle Alassane Ouattara Alassane, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pour nous faire plaisir? C'est de l'hypocrisie? Je ne sais pas ce qu'il veut. C'est son nom, c'est son prénom. Il s'appelle Alassane. Alassane Ouattara. Nous, c'est vrai que Alassane Ouattara est du Nord. Nous sommes des familles modestes. Nous sommes des familles... je ne sais pas comment dire. Nous respectons nos parents. On ne peut pas appeler en Afrique un parent à son prénom. On dit papa, tonton. Même Macron, j'étais en France, qui ne savait pas qu'un jour il allait être le président de la France,
appeler Alassane Ouattara tonton. Vous dites quoi? Même Macron, le président Macron, c'est mon jeune petit frère. Il appelait Alassane Ouattara, notre président, notre mentor, notre guide. Il appelait tonton. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on appelle Hé. Ils ont fini de l'appeler Hé. Aujourd'hui, il s'étonne que ses amis avec qui il a tout fait à l'étranger l'appellent par son prénom. Le français, vraiment, qu'est-ce que ça peut faire? Nous, notre problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. C'est la paix en Côte d'Ivoire. C'est la paix même à Yopougon. Alassane Ouattara est là, il est au travail. Au passage, il vous dit merci. Il sait qu'il peut compter sur vous. Je vois dans la presse des gens qui disent, mais est-ce qu'Alassane Ouattara, c'est fini? Ça va finir comme ça? C'est fini. Quand vous me voyez assise, quand vous me voyez me battre dans l'hexagone à l'extérieur du pays, mais attendez, c'est parce qu'Alassane Ouattara est là que je me bombe la poitrine. C'est parce qu'Alassane Ouattara est derrière. C'est parce que Kandia Camara est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, que je ne veux pas aller à l'étranger. Je suis une diplomate ivoirienne. J'ai vu des petits journaleux ici qui ont pris un petit bout de vidéo là pour dire voilà comment ils sont. On a eu à me dire dans ce pays-là que même les vendeuses de poissons sont devenues députées. On a un CV. C'est vrai que nous là, quand on vit tout là, c'est le commerce. Ça ne m'empêche même pas de faire le commerce parce que moi quand je n'ai rien, je vais aller acheter des oranges, des fruits pour venir les vendre bien. C'est ça la force du tout là. C'est ça la force de la petite tout là. Elle fait de bonnes études. Elle peut vendre arachide le soir quand elle arrive de l'école. Et puis elle étudie là, des bonnes diplômes. On envoie des petits bouts de vidéos là pour dire voilà, Madame Traoré allait éliminer la Côte d'Ivoire. Et Dieu. Attends, Savary. Éliminer la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez un homme de la trempe d'Alassane Ouattara qui met des gens sur le terrain, il y en a qui sont à l'intérieur, il y en a qui sont à l'extérieur. Je suis au Parlement panafricain depuis près de 7 ans. Dans 7 ans, il n'y a rien eu. Hein. On vient, on veut tordre le cou à la démocratie. Madame Traoré va s'asseoir là-bas, elle applaudit. Vous voyez ça? J'ai soulevé et j'étais dehors. Si ça a recommencé encore, je vais soulever encore, je vais jeter. Ce jour-là, ça m'a rappelé un peu 2010. Quand j'ai vu des voyous du FPI, parce que je ne vais pas citer de nom pour faire la publicité, qui ne voulaient pas qu'on programme les résultats en 2010. Ça m'a rappelé, il dit, mais tiens, moi je ne peux pas être là, ça va se passer. Celui qui est venu, je ne cherche pas à savoir qui il est. Si c'est le tombeau des présidents, moi je m'en fous. J'ai dit, soulever ça, jeter. Et j'ai fait. J'assume. J'ai fait. Si ça a recommencé encore, j'assume. Je fais. Oui. Quand vous me voyez, je ressemble à une personne qui est dans l'école d'Alassane Ouattara, dans son école. Sa fille va humilier le pays qu'il dirige. C'est faux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. S'ils veulent venir au RHDP, la porte est grandement ouverte. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tous les Ivoiriens. Je suis venu à Yopougon pour vous rassurer, il n'en est rien. Les élections n'ont pas eu à mi-temps à Johannesburg. Les chefs de l'État, l'Union africaine, ils vont redécider. Nous allons repartir pour qu'il y ait les élections justes et transparentes. Et devant Madame Traoré. Nous allons repartir. La candidate de l'Afrique de l'Ouest, c'est la candidate, la députée du Mali, Chatou Cissé. Nous irons. Elle est toujours candidate. C'est vrai que le Mali est un peu suspendu par rapport à ce qui se passe. Mais ça n'a rien à voir avec le Parlement panafricain. Le Mali a désigné des gens pour représenter le peuple malien. Et le peuple malien soutient la Côte d'Ivoire. Je vois encore ces petits journaleux qui disent oui, le président Ouattara a été désavoué par qui? Par le Mali. On peut aujourd'hui dire merci à Alassane Ouattara parce que la crise du Mali, il a fait freiner la crise du Mali. Il a freiné, il a atténué les dégâts qui devaient arriver au Mali. Au lieu de lui dire merci, on est toujours là en train de le vilipender. Je suis désolé.
Je vous dis au Parlement, enfin, je vous dis au golf ici, que les gens qui sont là en longueur de journée, qui donnent des miettes à nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora aux États-Unis, qui passent leur temps, qui ne connaissent même pas Alassane Ouattara, je vous dis que souvent j'ai envie d'enlever mon écharpe pour tomber dans la boue comme eux. Parce que quand tu marches avec les aveugles, de temps en temps, il faut marcher sur les pieds. C'est ce que j'ai fait en 2019. On dirait pas le mal. Ça fait mal. Encore une fois ici, vous êtes de Yopougon. Je salue au passage le responsable du golf de Terminus 40. Parce que j'ai acheté une maison là-bas, j'ai ma maison vers le Terminus 40. Donc si j'étais à Yopougon, j'allais être membre du golf du Grain. Monsieur Matiga, je lui dis bonsoir. Je suis membre là-bas. Ici, c'est le central. Monsieur a dit d'aller dormir. Tout le monde va rester ici. Donc, j'irai au Terminus 40 pour dormir parce que j'ai une maison à Yopougon. J'ai une maison à Yopougon depuis bientôt 30 ans, si je ne m'abuse. Yopougon aussi d'ici. Donc, je fais partie du grain de Terminus 40. Donc, une fille de Yopougon. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vais partir d'ici, il y a des petits politiciens qui vont dire oui, elle est venue chercher quoi, elle veut être maire ou bien elle veut être députée. Non, j'ai mes militants ici, on a fait le militant. Je salue au passage Touré Alpha Yaya qui devait être à mes côtés avec vous ici. Mais je pense que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il viendra vous entretenir. Parce que nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain pour vous, pour nous. Nous ne sommes pas sur le terrain pour prendre la place de qui que ce soit. Vous avez vu, Alassane Ouattara a fait son gouvernement, il y a la place pour tout le monde. Il faut savoir attendre son temps. Quand ton temps n'est pas arrivé, il ne faut pas forcer. Quand ton temps arrive, il n'y a rien à faire. Je voulais, c'est vrai, être président de l'Assemblée nationale, mais certainement mon temps n'était pas arrivé. Mais je suis encore député. Et il faut attendre son temps. Et le temps, c'est le temps. Je disais, je suis membre du golf et je suis venu m'entretenir avec des parents, des frères et sœurs. Le président Ouattara nous a dit d'être des femmes et des hommes de terrain. Qu'est-ce que vous avez? Ou bien qu'est-ce que moi j'ai? Et puis vous n'en avez pas. Nous sommes pareils. Il y en a qui ont mangé leur sauce gobo kabato. Moi j'ai mangé kabato à midi. Mais voilà devant vous ici. Nous sommes pareils. Nous sommes des frères et sœurs. Ce que je peux vous dire, comme dirait Feu Amadou Koulibaly, soyez saine. Soyez saine. Le pays est dirigé par un homme. Il ne fait pas de bruit. Depuis 2010, ils ont payé des petits politiciens là. On ne sait pas où ils sont quittés. Ils ont apparu comme ça. On leur dit d'insulter Alassane Ouattara en longueur de journée. Ils passent leur temps à insulter Alassane. Ce n'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas injuste. La politique, c'est le développement. La Côte d'Ivoire est un grand pays, 322 000 km². Tingrela a près de 1000 km d'Abidjan. Mais il y a le développement là-bas. Il y en a à Bouna, il y en a à Odini. Alassane Ouattara, il est là pour le développement. Si on lui avait donné le pays à 20 ans, on serait plus que l'Afrique du Sud. On n'a pas voulu lui donner le pays pour nous aider. Il a dit ça. Nous qui sommes ici, nous avons des problèmes. Ils ont fait du mal à qui? On va tenir des miettes à des petits politiciens qui ont passé tout leur temps à insulter Alassane Ouattara. Moi, je viens au golf ici pour vous dire que désormais, les mois à venir, personne ne va insulter Alassane Ouattara et nous allons laisser en marche. Ils sont en train de s'organiser. Je suis venu vous dire, apprêtez-vous. 2010, ce n'est pas 2021 ni 2022. 2010, c'est derrière nous. C'est vrai, on veut aller à la réconciliation, mais la vraie réconciliation. Nous voulons aller à la réconciliation, mais en suivant notre mentor, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne s'est pas triché. Il parle de la vraie réconciliation. J'ai vu des comédiens qui croient qu'ils peuvent nous, même au sein de notre RHDP, il y a des gens qui se disent RHDP alors qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne disent pas vrais. Ils sont avec nous, on les connaît. Merci. On se connaît en détail. Merci. S'ils sont garçons ou femmes, ils sont RIDP, ils vont rester RIDP. Mais quelqu'un disait, il y a un politicien qui disait en son temps,
le nageur croit qu'on ne voit pas son dos. Non, on voit leur dos. Ils disent qu'ils sont LITP. Ils vont nous prouver qu'ils sont vraiment LITP. La politique du ventre, ce n'est pas nous notre problème. Nous, c'est Alassane Ouattara, on connaît. Amadou, on n'est plus là. Ahmed Bakayoko n'est pas là. Alassane Ouattara a d'autres enfants qui sont là. Nous sommes là pour vous. Il y a des politiciens qui veulent rentrer en fanfare, même s'ils veulent encore rentrer en fusée en Côte d'Ivoire. C'est pas notre problème. Quand même, ils veulent rentrer, ils vont voir le changement de la Côte d'Ivoire. J'ai vu un petit politicien qui a fait 10 ans d'exil. Il paraît qu'il était à Yopougon hier, qui dit qu'Alassane Ouattara avait nommé des ministres gouverneurs, que lui n'est pas d'accord. Donc il reconnaît maintenant qu'Alassane Ouattara est le président. Quand tu es parti 10 ans, je ne dis pas son nom, tu n'as pas reconnu un chef d'État qui n'a pas reconnu Alassane Ouattara. Tu viens à Yopougon, je vais citer là où il était au Baron hier, qui dit, oui, il veut nommer des ministres gouverneurs. Oui, dans les jours à venir, on va nommer les ministres gouverneurs. Vous dites que vous ne le reconnaissez pas. Moi, je ne reconnais pas quelqu'un là. Ce qu'il fait là, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, bien sûr. Si qui ne le reconnaît pas, ça veut dire qu'il reconnaît qu'Alassane Ouattara est le président. Il reconnaît que nous avons un gouvernement digne. Alassane Ouattara va nommer ses gouverneurs, ministres gouverneurs. Et puis il n'aura rien. Il n'a pas de leçon à lui donner. Pourquoi il n'est pas resté pendant 10 ans? Il pourrait se battre pour être député pour faire changer les lois. On les attend à l'Assemblée nationale. Je félicite l'opposition qui a bien voulu venir à l'Assemblée nationale. Nous allons aller mardi, on va commencer les travaux. Nous allons nous peser. Et au passage ici, je demande à la RTI d'être tous les jours en direct à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de sujet tabou. Les Ivoiriens veulent voir ce que nous faisons là-bas. On n'est pas allé pour être député, pour aller prendre nos salaires pour nous asseoir. On fait le travail des députés. Le travail des députés, c'est de travailler. C'est de voter les lois. Nous allons voter les lois que l'opposition ivoirienne va appliquer à 100%. Vous mettez 10 ans en exil, vous venez, ce que le gouvernement fait, c'est pas bon. Vous étiez ici 10 ans, vous avez fait quoi? Ils étaient ici 10 ans, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils ont fait 3000 morts avant de partir. Vous croyez que les 3000 morts là ne font pas mal à la salle? Ça lui fait mal. Pour prendre le pouvoir, le monsieur a souffert. Il veut laisser, il perd ses enfants. Il continue de perdre ses enfants. Au lieu de venir le féliciter, l'encourager, il se promène dans les maquis à Yopougon ici pour dire oui, il veut nommer des ministres gouverneurs et ils ne sont pas d'accord. Je les attends. Moi, je les attends avec ma troupe. Comme j'ai dit, j'ai vu des politiciens en Côte d'Ivoire ici qui ont pris des matelas sur les têtes pour aller sauvegarder leur pouvoir. Moi, mes nattes, j'ai pris beaucoup de nattes parce que les femmes, apprêtez-vous. Hein. Les femmes, apprêtez-vous. J'ai pris déjà, j'ai acheté des nattes, des bouilloires, des calebasses, des chapelets, des draps. Eux, ils ont sauvegardé leur pouvoir. Nous, on les a achetés parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont voulu marmailler. Nous sommes prêts, nous attendons. Il y en a qui disent oui, quand notre mentor va rentrer, Babo même se cherche. Alassane Ouattara veut protéger Laurent Gbagbo. Mais vous voyez, ceux qui sont en train de crier, Laurent Gbagbo ne rentre pas. Et il va venir. Quand il va venir, on va voir. Quand il va pas. Alassane Ouattara là, il a sur nous là. Quand il a fini de parler, c'est décidé. Il dit Laurent Gbagbo peut rentrer. Moi-même, j'irai saluer Laurent Gbagbo chez lui parce que nous voulons Laurent Gbagbo en vie. Ceux qui se chauffent là, ils ne veulent pas que Laurent Gbagbo rentre. Ceux qui se chauffent, Laurent Gbagbo va aller, on le dit là, gauche à droite. La vie de Laurent Gbagbo dépend d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara protège tous les Ivoiriens. Ils ont là, ils étaient derrière la tête. Eux-mêmes là, Laurent Gbagbo les dérange. Mais moi-même, je suis pour l'arrivée de Laurent Gbagbo. Je suis pour la réconciliation. Mais la réconciliation dans le vrai. Oui, Alassane Ouattara n'est pas que Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec Laurent Gbagbo? C'est un citoyen comme tout le monde. Il a été président, il n'est plus président, il est comme moi, il n'est pas fou. Il peut rentrer. Il va chez lui, il va dans son village. Pourquoi on l'empêche? C'est eux qui veulent l'empêcher.
Mais quand même, le pays est régi par les règles, par les lois. Si il est ancien chef d'État, tous ses droits doivent être, on doit lui donner tous ses droits. Alassane Ouattara, c'est un homme juste. Est-ce qu'on le connaît même? Vraiment, est-ce que les gens la connaissent Alassane Ouattara? C'est-à-dire que quand on ne connaît pas quelqu'un, comme on dit à Yopougon, on l'appelle hé. Franchement. Un monsieur juste, à quoi ça va déranger le travail d'Alassane Ouattara? Il se passe du même chemin. Si moi je suis à sa place, j'arrive tranquillement chez moi, je dépose ma valise. Tous les soirs, il y a Air France qui arrive à Côte d'Ivoire. Tous les soirs, il y a Bruxelles Airlines qui arrive. Si papa vient demain, là, ça fait quoi? On va aller l'accueillir, on va faire comme ça, et puis c'est tout. S'il vient, et puis c'est tout. Après ça, vous allez faire quoi? Nous, on est président, notre président, c'est Alassane Ouattara. Il a été en entretien pour lui, 2020-2025. Il est le président. C'est le premier mandat de la Troisième République. Le premier mandat de la Troisième République. Non, moi je ne parle pas de deuxième mandat de la Troisième République. On vient de voter quelqu'un. On est dans le premier mandat de la Troisième République avec Ato. D'abord. Et puis, quand le moment va arriver, on va aviser. Si le papa dit, bon, j'ai d'autres enfants que je vais présenter, on va le suivre. Si vous montez un mouton, on va le suivre. Mais si on voit qu'on n'a pas de mouton à présenter, Alassane Ouattara va faire un deuxième mandat de la Troisième République. Le mandat, son premier mandat aussi de la Troisième République. Mais si on n'a pas eu un frère comme Amadou Koulibaly, un frère comme Ahmed Bakayoko, si on n'a pas eu, si le papa a constaté, il va faire le deuxième mandat de la Troisième République. Et puis ça ne sera même pas un débat. Parce que c'est un débat pour nous. Non, mais la paix, vous venez ici là, de quoi vous dites ici là, j'ai fait 10 minutes avec petit embouteillage là. C'est pas grave. Les gens qui disent que Laurent Gbagbo va rentrer, on va sauter de gauche à droite, c'est des comédiens. Des petits comédiens. Sinon, nous, on n'a pas dit à Laurent Gbagbo qu'il n'est pas rentré. Si il vient, moi, je vais prendre l'audience pour aller lui dire merci, bien, bonne arrivée. Les gens qui partaient là, hein, il y a eu 3000 morts ici. Là. Hein, il y a eu 3000 morts. Il n'y a pas eu. Il y a eu des viols. Ils sont venus tuer mon Ayopouga ici. Beaucoup. Beaucoup. Mais on nous dit d'aller à la réconciliation. Je vous jure, quand la Sainte Ouattara parle de la réconciliation, c'est la vraie réconciliation. Il n'y a rien derrière. Il faut le connaître. Un homme juste, un homme qui est dans la vérité. Mais eux, opposition, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. C'est la politique du vent qu'ils font. Mais Alassane Ouattara est mouru à longueur de journée. Ils sont dans les grands postes. Mais ne vous inquiétez pas. Nous, on veut la paix. On veut avoir nos hôpitaux. On veut avoir les routes. On veut. C'est tout. Vous voyez la réponse. Est-ce que Alassane Ouattara est venu vous voir un à un si vous vous donnez 1000 francs, 1000 francs? Il ne peut pas. Notre développement, là, c'est ça que notre paix, là, c'est ce qu'on recherche. C'est eux que les enfants qui sont dans les grands postes, ils ne réfléchissent même pas. On prend ça d'argent, on va leur donner une manche à leur gros ventre, je ne sais pas où ils vont. Mais ils veulent venir au pouvoir. Et on voit. 2010 devant 2021. Je vous assure, il faut soutenir Alassane Ouattara. Un papa qui a mal, qui avait formé ses enfants pour faire le travail, pour continuer le travail, parce qu'on a empêché depuis plus de 20 ans de diriger la Côte d'Ivoire. Si on n'avait pas empêché, on ne serait même pas au golf aujourd'hui. Il est venu, il a gagné les élections. On dit que ce n'est pas ici. Aujourd'hui, là, on dit à la réconciliation, rentrez, lui, vous allez lui faire donner des leçons. Non. Comment il s'appelle, Kipré? Il n'a pas de leçons à donner à la Sainte Ouattara. Puis la vidéo. 10 ans, tu n'avais pas vu le pays. Il n'a qu'à aller au centre du pays d'abord. Il n'a qu'à rentrer dans la Côte d'Ivoire profonde pour voir le changement. Mais quand ils arrivent de l'aéroport, là, ils ne passent pas sur le nouveau pont. Ils sont passés où pour arriver à Yopougon ici? Même à Yopougon, ils ont vu magasin Cosmos. Au moins on a un grand point où on va tourner un peu pour faire les courses. Moi, je ne suis jamais arrivé là-bas. Mais ils sont arrivés avant-hier là. Ils sont tous versés là-bas. Vraiment. Je vous en prie.
il faut que nous soyons soudés. Soyons soudés, soyez sains, comme dirait Amadou Koulibaly. Alassane Ouattara au travail. Ce n'est pas parce qu'il ne pense pas à vous. Je m'en vais encore dire, parce que dans notre parti, nous avions eu des responsables qui ne sont pas gentils. Ils n'ont pas aidé Alassane Ouattara. Ils n'ont pas aidé Alassane Ouattara. Nous avons des gens qui ont souffert avec nous quand on a eu. Il ne faut que penser à eux-mêmes, ils oublient le militant de base. Alassane Ouattara. Alassane demande Ouattara, le président Ouattara, sa force. Sa force, c'est vous le militant de base. Je vous respecte. Les gens qui se sont approchés pour avoir des postes, et puis remplir leur ventre, aider leur famille, ça s'arrête là. Ils ne veulent rien. Je vous jure que le président a mal, mais il va faire comment? C'est un homme fidèle. Les gens qui sont restés autour de lui, avec lui, il ne peut pas les chasser, ça ne fait pas bien. Mais les chers de vous dire d'être sain, de rester à l'écoute. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Le LNTP va changer de visage. Les gens qui sont approchés du LNTP se sont approchés. Putain, quand on va voir en réalité, il n'y a même pas, ils n'ont rien, ils n'ont même pas, ils n'ont personne. Vous avez compris, le président compte sur vous. Ne vous trompez pas de combat, il va venir vous plaquer ici. Il n'a rien fait pour toi, il n'a pas mis ton enfant ici, il n'a pas... Alassane Ouattara quand même. Surtout pour les femmes. Ce sont les femmes qui ont payé le plus cher dans ce pays-là. Vous avez vu nos amis qui sont tombés à Bobo? On a fait la lutte avec elle depuis 94. Quand je pense à ça. Mais les gens, c'est le poste qui les intéresse. Je vais avoir poste au lieu de faire le travail. Alassane Ouattara, il a tout laissé pour nous. Il a laissé pour sa base. La base est restée pour contre. Quand on voit un politicien quelque part, on trouve que le politicien là est venu pour avoir un poste. Je ne suis pas venu à Yopougon pour avoir un poste. Je suis venu voir mes frères et sœurs, les combattants. Si vous avez besoin de moi, plus de jours, vous m'appelez. Si vous avez besoin de la lutte, on va continuer. Nous sommes là. J'ai vu les gens qui sillonnent dans Yopougon. Ils sillonnent. Ils sont dans Yopougon. Alassane Ouattara va nommer des ministres gouverneurs. Il va les nommer bien. Je suis d'accord avec lui. En ce qui concerne Johannesburg, nous sommes allés en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, je siège à Johannesburg depuis près de 7 ans. Je suis députée panafricaine, donc diplomate parlementaire. Ok? Nous avons nos tests. Chaque 3 ans, on vote pour la présidence et on fait le bureau. Moi-même, j'ai été proposée par l'Afrique de l'Ouest pour être la présidente, la candidate des femmes parlementaires d'Afrique. Si on faisait les élections normalement, j'étais candidate pour ça à ce poste-là. Chaque fois, elle était déjà la présidente des femmes parlementaires d'Afrique. Ensuite, elle a été vice-présidente. Ensuite, elle a été désignée par l'Afrique de l'Ouest pour être la candidate de l'Afrique de l'Ouest. Nous avions 3 candidats. Donc, un candidat de l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. La candidate de l'Afrique de l'Ouest, nous avons 15 pays. C'était Chatou Cissé. Et nous avions la Malienne. Et nous avions un candidat du nom d'Albino qui est de l'Afrique de l'Est, Sud-Sudan. Donc nous avions nos tests. L'Afrique du Sud avait un président intérimaire, compte tenu de la COVID, on a mis un président intérimaire pour gérer les affaires à l'hémicycle là-bas. Donc nous sommes allés, le premier jour d'abord, nous sommes arrivés, ils ont dit d'abord que le Mali ne peut pas participer. Parce que quand un pays va aux élections, comme nous en Côte d'Ivoire, on prête serment. Chaque fois quand ton pays va aux élections, quand tu gagnes, tu reviens, tu prêtes serment. Donc le Mali devait prêter serment. Le Mali, c'est vrai, il y a eu un coup d'État, mais ils ont désigné, il y avait un président quand même civil, voilà, des transitions. Ils ont nommé Chatou Kouale siéger au nom du peuple malien en Afrique du Sud. Donc c'est normal. Il y a des députés qui sont nommés, il y a des sénateurs, même en Côte d'Ivoire, il y a des sénateurs qui sont nommés. La Côte d'Ivoire à 5 députés, 2 sénateurs, 3 parlementaires. Donc nous sommes allés. Et le Mali a bien voulu prendre la Côte d'Ivoire pour sa direction de campagne.
dont Sidiki, vous connaissez Sidiki, Abaka Sidiki était le directeur de campagne de la candidate au Mali. Donc nous avions la direction des campagnes. Nous sommes arrivés d'abord là-bas, ça travaille dimanche, c'est pas comme chez nous, si on est paresseux, on ne travaille pas. D'abord dimanche, on dit chacun ne rentre pas dans la salle parce que le Mali, il y a un coup d'État. Qu'est-ce que ça va avoir? Le Mali a désigné derrière des gens, s'il y a des problèmes, là, ils sont là pour le peuple malien. Donc on a lutté, lundi, elle a prêté serment. Nous tous, nous l'avions prêté serment, peut-être que vous avez vu sur la presse. Le lendemain, ils viennent encore pour dire que pas d'élection. Ils ont jeté les urnes, ils ont cassé même. Ça, c'était le lendemain. Le troisième jour, nous, quand on a jeté, le troisième jour, on arrive, on dit pas d'élection parce que dans l'administration là-bas, il y a quelqu'un qui a eu Covid. Donc, il faut qu'on quitte, on part dormir à l'hôtel. On va revenir 24 heures après, ils vont désinfecter les lieux. Ça, c'était le même jour, on nous a dit de quitter les lieux. Donc, nous sommes allés, on a attendu 24 heures, on est revenu. On revient, on désigne la présidente de la commission électorale. La présidente, c'est la sœur jumelle du président Kabila du Congo. Donc nous, en 2018, nous avions soutenu le candidat de l'Afrique centrale, qui était Mbondo, un certain député Mbondo. L'Afrique centrale, nous avions soutenu. Donc quand nous avons sorti notre candidature, nous avions dit à l'Afrique centrale, nous on vous soutient cette année 2018. Mais en 2020, là, c'était en 2020, le jugement de la élection, ils allaient soutenir notre candidat. Donc nous, on est venus, on allait au Mali, on allait soutenir notre candidate. Elle a fait le tour de toute l'Afrique. Donc l'Afrique centrale était avec l'Afrique de l'Ouest. Or l'Afrique de l'Ouest est le plus grand caucus de toute l'Afrique. Vous pouvez imaginer, nous sommes 15 pays. Mais nous, les 15 pays-là, il y a deux pays qui n'étaient pas avec nous. Le Ghana n'était pas avec nous. Le Nigeria n'était pas avec nous. Même si le Ghana, ça fait 5 députés, le Nigeria, ça fait 10 députés, même si on avait 10 députés encore, on gagne. L'Afrique du Nord, nous avions fait campagne là-bas, eux, ils étaient avec nous. La Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, eux, tous étaient avec nous. Quand tu les ajoutes sur l'Afrique de l'Ouest, les deux pays qui n'étaient pas avec nous. Donc tous les pays anglophones du Sud là-bas n'étaient pas avec nous. Le Nigeria commençait à menacer notre candidate. Quand nous sommes retrouvés, on a dit, bon, si on vient pour les élections, vous les femmes députées, vous allez protéger la présidente de la commission électorale. Parce que nous avons un député là-bas, là. C'est le chasseur, c'est le tombeur des présidents. On a dit, je m'en fous de ça. Je m'en fous des malheurs. Quand nous sommes venus, d'abord la veille, vous avez vu où on disait, si dans le pays, si je ne m'assois pas. Ils ont indexé la députée. Parce que les gens n'ont pas bien dit. La députée du Mali, donc, du Burkina, elle a pris la parole, on dit qu'elle ment. Je dis non, on ne dit pas une femme menteuse, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on insulte une femme menteuse. Pourquoi? C'est votre maman, c'est une femme parlementaire, elle a menti. Chacun donne ses points de vue ici. Ça, c'était la veille. Le lendemain, on vient pour les élections, on dépose des urnes. Ce qu'on a fait même la veille, c'était pire que ce qu'on a fait. Comme Mme Traoré était déjà, vous connaissez, des petits journaleux ici ont bien vu que nous avions raison, ils ont pris un petit coup, on va balancer pour dire aux Ivoiriens là-bas, elle a humilié la Côte d'Ivoire. Je dis ça, c'est moi, je fais rien avec ça. Donc moi, je me suis levé, quand il s'est levé, comme c'est un homme qui est armé, quand il rentre, alors qu'on n'a pas le droit de rentrer avec nos gardes de corps dans la salle, il est rentré avec son garde, ses gardes de corps. Armé, c'est eux qui ont été. Lui, là, il était capable de mettre le feu sur l'hémicycle. Oui, parce qu'il y a 2 ans, le Nigérien, mais je crois pas le problème. Vous-même, il y a 2 ans, vous avez vu en Afrique du Sud, quand on a tué les Nigériens là-bas, vous n'avez pas vu. Au lieu de se mettre avec nous, comme c'est anglophone, comme francophone. Là, il n'y a pas de dents, moi, il dit élection. Les gars nous disent qu'on doit aller aux élections. Comme on va aux élections, il s'est levé, il est venu vers elle. C'est ça, moi, je me suis levé rapidement. Je n'ai pas eu la place de venir vers lui. Je suis allé me mettre là, j'ai dit à la femme de pousser. Et lui, toi, t'as fait problème. C'est là que j'ai commencé maintenant. Donc, on trouve que moi, j'ai humilié la Côte d'Ivoire. Ils allaient défendre la femme, j'ai humilié la Côte d'Ivoire. Je voyais un peu en 2010, lorsque Damana Picasso a tiré les choses, les papiers dans la main de Baba.
Donc effectivement, on n'a pas montré ce que Mme Traoré a fait, mais j'ai fait ce qu'on ne devait pas faire, je l'ai jeté. Il n'avait pas de force. Il n'avait pas de force. Il n'avait pas de force, il était seul. Donc nous allons faire ce qui s'est passé, parce qu'on était menacés effectivement. C'est pour cela que j'ai agi ici. Mais ce n'est pas pour humilier la Côte d'Ivoire. Depuis 7 ans, je suis là-bas, je n'ai pas humilié la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas maintenant, je vais humilier la Côte d'Ivoire, dirigée par un homme comme Alassane Ouattara. C'est quand j'étais là que je peux humilier la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y avait rien, parce qu'à son temps, il venait à la rue Princesse ici pour danser. Là, j'étais en exil en France. Là, je disais que là-bas, là, c'est des voyous qui sont au pouvoir, il faut les chasser. Et on m'a vu en train de les chasser aussi. On les a bien chassés. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. On a pour nous l'homme. 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 Merci pour nous l'homme. Merci beaucoup pour ce speech. J'avoue que j'avais un questionnaire. Elle a tout dit. Vu le temps qui avance, il est 18h25. Nous allons prendre. Elle a tout dit. Il y a le grain Paul Baudou, représenté par M. Koroma, qui souhaiterait vous recevoir à Paul Baudou. Il dit qu'il faut que vous soyez à propos d'eux. C'est le président du secret qui est là. Il va dire un mot rapidement. Monsieur Honorable, je pense que vous avez fait un tour d'horizon. Alors, vous avez tout dit. Vraiment, avec cette foule, je souhaiterais quand même vous recevoir à propos d'eux. Ok, ma question est la suivante. Le groupe parlementaire panafricain, quel est le rôle exact du Parlement africain? Parce qu'avec tous ces conflits qu'on voit à travers l'Afrique, l'Union africaine, CDAO et autres, on n'a jamais vu le rôle exact du Parlement africain. Je souhaiterais que vous nous donniez en détail quel rôle joue exactement le groupe parlementaire africain. Merci. C'est fini, il n'y a pas de question. Je vais répondre au fur et à mesure. Le rôle du Parlement panafricain, c'est un parlement consultatif. Les chefs d'État se réunissent à 10, à l'Union africaine. Vous avez vu que nous-mêmes, nous avons les passeports de l'Union africaine. Nous travaillons de concert avec les parlementaires américains. Ils ont leur groupe là-bas. Vous avez vu l'Union européenne, les députés européens. Voilà, c'est la même chose. Nous, c'est le rôle pour le moment, l'Europe consultative. Et c'est ce que nous jouons comme rôle. Et bientôt, nous allons aussi évoquer aussi nous allons travailler sur les projets de loi qui concernent l'Afrique. Parce que l'Afrique a tous les pays africains se valent. Hein. On a les mêmes préoccupations. Chacun a son problème. Et je profite du micro pour vous dire que quand j'étais en Afrique du Sud, il y a eu le problème du Niger, des Nigériens et des Ivoiriens ici. Les députés nigériens voulaient en savoir davantage. Donc je me suis approché d'eux. J'ai même fait une photo à côté du drapeau nigérien. Et quand la photo est arrivée à Abidjan, les mêmes petits journaleux des réseaux sociaux se sont levés pour dire qu'on n'est même pas le drapeau ivoirien. On ne peut pas les prendre ça pour la mettre là-bas. Elle va là-bas attaquer qui même. J'ai ri. Ils n'ont pas su que j'étais par solidarité pour le peuple du Niger, pour les députés panafricains du Niger, que j'ai fait cette photo. C'est eux-mêmes qui ont fait la photo pour envoyer chez eux. N'avait pas de problème avec le peuple du Niger, avec le Niger, qui est un pays souverain. Donc,
pour, par solidarité avec ce peuple, avec les députés panafricains venant du Niger, j'ai fait une photo. Mais quand on n'aime pas la tête de Madame Traoré, on n'aime pas son président adorable, on va aller les vilipender pour dire oui, elle ne connaît même pas le drapeau ivoirien. Une femme qui est fondatrice d'établissement scolaire depuis 25 ans, wow. Qui a formé des cadres dans ce pays, qui sont dans les banques, qui sont militaires, qui sont à l'étranger. C'est les enfants qui ont fait mon école, qui ont fait la maternelle dans mon école, qui ont eu l'entrée en sixième dans mon école, sont quand même dans l'administration ivoirienne. Et moi, je forme ces enfants-là. Et après de 25 ans, je suis fondatrice d'établissement scolaire laïque de Côte d'Ivoire. Je ne connais pas le drapeau ivoirien. Quand j'ai regardé ça sur le côté, j'ai ri. J'ai dit tout ça là. Nous, on est au pouvoir, on va. Moi, je ne connais pas le drapeau ivoirien. Mais mon président s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Merci à vous. Merci, l'honorable. Honorable, je vous salue. Merci de votre présence. Vraiment, c'est gentil. Une femme d'attente comme vous. Vraiment, si on a encore plusieurs, on peut peut-être avoir une femme présidente en Côte d'Ivoire. C'est important. Honorable, je vous en prie. On sait jamais. Honorable, c'est quelques petites questions, peut-être trois questions. Et nous sommes les Ivoiriens lambda. Ce qui se passe là-haut, on ne comprend pas trop. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Il y a le vice-président Kabila Denkan qui a démissionné il y a quelques moments. Et depuis ce temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République n'arrive pas peut-être à encore nous présenter le nouveau vice-président. Or, dans les tests, ça dit que vraiment, il faut le nouveau vice-président. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ceci? Maintenant, deuxièmement, il s'agit des dernières élections partielles qui viennent de se passer. Les dernières élections qui viennent de se passer. Vous avez déjà composé le bureau de l'Assemblée nationale. Or, naturellement, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, je dis que c'est peut-être après toutes les élections que le bureau pourra peut-être se présenter. Mais vous l'avez fait en laissant des partiels derrière. Et ceux-là n'avaient pas le droit de voter aussi le président du Parlement. Ça, c'est pas possible, c'est pas le tour. Et il y avait un candidat encore du RHDP. Je le dis bien, parce qu'il faut être objectif. Je suis de ma fille, qui est Mamadou Sanogo, qui a été totalement abandonné par tous les parlementaires du RHDP. Aucun parlementaire n'est parti le soutenir sur le pied. Je voudrais un peu savoir en ce que vous voulez. Nous n'avons pas dans le but, nous arrêtons les interventions. Le temps avance. Merci, mon frère Touré, tu vas finir. Merci. Votre préoccupation est juste. Vous savez, ce sont les députés qui sont là. Le ministre, le premier ministre Ahmed Bakayoko, il a bien gagné à Séguéla. Il est décédé. Vous voyez. Et là où ils ont repris les élections, le bureau de l'Assemblée nationale ne pouvait pas attendre tout ça pour mettre un bureau en place. Alassane Ouattara a des projets, il y a du travail à faire. Il fallait mettre le bureau de l'Assemblée nationale pour 3 ou 4 ou 5 postes. Nous allons attendre les 240 députés ou 45 députés ne pouvaient pas attendre. C'est la majorité. Il fallait mettre le bureau de l'Assemblée nationale en place. Mais dire que les cadres du RHDP ont abandonné le ministre Mamadou Sanogo, moi je m'inscris en faux. Parce que je suis la prothèse, si on veut bien voir, du ministre Mamadou Sanogo. Je n'étais pas dans le bafin. Et on a l'habitude d'appeler monsieur le ministre Mamadou Sanogo le monsieur élection. On n'a pas besoin d'aller derrière le ministre pour aller lui dire comment il va voter, bien le soutenir. Parce qu'il sait qu'il allait gagner. Et moi je savais que le ministre allait gagner. On n'a pas besoin de l'appeler. On a repris les élections, il a bien gagné au poste du RHDP. Il n'est pas allé là-bas en indépendant. Et le président sait qu'il allait avoir le poste de Mamadou Sanogo. Et puis, le président est prêt pour tout le monde. Il était ministre.
il peut aussi faire la place à d'autres. Donc le ministre Sanogo Mamadou ne dit pas qu'il a été abandonné par le parti. Tous les ministres, les vrais ministres, les bons ministres qui sont autour d'Alassane Ouattara sont solidaires. Ils vont l'appeler, ils vont le féliciter. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le bâtiment pour faire gagner Sanogo Mamadou. C'est pour cela qu'il a bien gagné là-bas. Même si ça a recommencé dimanche prochain, ça va vous m'amener. En ce qui concerne le vice-président, c'est le président de la République. Vous avez vu que le président a été élu depuis le 31 octobre 2020. Nous sommes tombés en décembre. Les choses sont allées très vite. D'abord, celui qu'il a présenté pour être candidat, parce que le président n'était pas prêt à aller à diriger encore la Côte d'Ivoire, il avait mis Amadou Bon. Donc il a repris certaines choses. Il a abandonné, parce qu'il s'était apprêté déjà dans la tête, moralement, physiquement, financièrement, pour ne plus diriger la Côte d'Ivoire, pour donner des conseils à ses poulets, pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer le développement pour le pays. Mais Amadou Bon est parti. Il fallait se préparer pour être candidat, pour gagner. Il fallait encore mettre un gouvernement en place. Un gouvernement en place, il a mis Ahmed Bakayoko. À peine Ahmed Bakayoko va aux législatives, comme Sanogo d'ailleurs, Ahmed Bakayoko décède, il faut préparer un autre premier ministre, il faut préparer encore les funérailles d'Ahmed Bakayoko, c'est trop juste. C'est pour cela qu'il n'a pas encore présenté vice-président à la nation. Quand le président Ouattara veut nous présenter quelqu'un aujourd'hui, ça ne sera plus au Parlement. Il va définir un vice-président et ça sera au Congrès. Et ça sera Yam Sokro. Il va inviter tous les députés et tous les sénateurs. C'est devant le Congrès, il va nous présenter quelqu'un pour dire voilà mon vice-président. Et ça nous serait tardé. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci. Nous allons prendre, nous avons quatre associations de femmes, nous allons prendre deux interventions. Non. Il y a un peu de cérémonie. Il y a un peu de cérémonie, il y a un timing. Nous allons prendre deux interventions. Bonsoir Honora, bonsoir chers membres de Grain, chers parents. Moi c'est pas une question, je suis Madame Lagaye Marie-Pierre. Nous avons notre président qui est là, Bakayoko Barakissa. Nous sommes les femmes engagées pour le ministre Adama Diawara à Yéboubo. Dans notre fédération, on fait 300 associations. 300 associations féminines, des associations où les plus petites, c'est 100. Sinon, il y a 300 des grandes présidentes. Et donc, moi, c'est pour vous exprimer mon admiration. Avant que vous n'arriviez, j'ai dit à ma présidente de cette dame, c'est ma copine, je l'aime. Je l'aime. En dépit de tout ce que les gens racontent sur elle, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'affection pour elle. Et quand nous sommes allés à l'Assemblée nationale, sur l'ordonnance de Madame la ministre Lui Ramata, lorsque je suis arrivée, elle a été la première à m'accueillir. Elle m'a appelé honorable. Viens t'asseoir, on a besoin de lui. Je dis, mais elle est amour. Elle est tellement concrète dans ce qu'elle fait. Elle est tellement honnête. Donc quand elle voit des personnes qui ont des comportements gauches, elle est obligée d'agir de façon rigoureuse. Voilà. Je ne l'ai pas côtoyée en tant que telle. Même après les élections, je vous ai appelé. Elle a décroché. Je l'ai félicité. Je dis, félicitations maman. C'est votre petite soeur à l'Assemblée nationale. Elle dit, ça va, je dis, bien, ça va. C'était juste pour vous féliciter. Même tout récemment, avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, lorsque les gens tergiversaient, je leur ai dit, mais attendez, vous croyez que le président Ouattara, ça ne va pas dans sa tête? Le président Ouattara, il sait ce qu'il fait. Et il ne choisit pas les gens au hasard. Il n'a pas mis cette dame-là là-bas comme cela. Vous ne savez pas les instructions qu'elle a reçues. Et puis c'est une forme de caractère. Elle ne peut pas venir dans un endroit où il y a l'injustice et qu'elle va se taire. Le simple fait qu'elle a dit, parce que moi, je suis pour l'autonomisation de la femme, pour le genre, il faut gérer les choses. Elle a dit, et ça, ça m'a marqué, vous ne pouvez pas traiter une femme de menteuse, je suis une femme, que je n'accepte pas. Et pour ça seulement,
Même si elle doit rentrer dans le trou, nous tous, on va rentrer dans le trou. Je ne vais pas monopoliser la parole. C'était pour vous dire que vous avez des adoratrices, vous avez des sœurs qui sont prêtes pour vous. Je vous remercie. Merci. Merci. Vous allez clôturer la série d'intervention. Je vous vois à la télévision, je ne vous comprends pas. Mais aujourd'hui, je suis très fier de vous. Parce qu'il faut approcher quelqu'un pour la parler. Tout ce que vous avez dit là, vous êtes femme de vérité. Et moi, j'aime la vérité. C'est ceux qui disent la vérité, on ne les aime pas. Et c'est comme ça. Moi, je connais la salle depuis qu'elle était première médecine, autant que vous soyez voyous. Mais c'est un homme que j'aime depuis autant de choses. Quand elle avait présenté sa candidature, j'aime les gens. Je l'ai toujours soutenu. Quand la salle a été présidente en 2018, j'étais la seule femme à ne vous comprendre si vous êtes de chez moi. J'ai fait le tout ici. Vous avez compris? Les grands frères du président savent ça. J'ai sifflé, j'ai dansé, j'ai sifflé. Donc moi, je l'aime. Je l'aime jusqu'à la fin de mon corps. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller lui serrer la main. Je l'aime. Donc, il faut dire qu'il y a une femme à Yopou, voilà. Elle donc, quoi? Non, le roi va terminer. Vous avez vu que quand cette femme de Dieu veut, de nous chier, les deux femmes, elles ont parlé avec le cœur. C'est tout, ma soeur. Vous savez, quand on dit la vérité, on fait peur. Comme j'aime bien le dire, je suis une opposante au pouvoir. C'est-à-dire, je suis dedans, mais je m'oppose à ce qui n'est pas bon. Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Mon caractère, c'est ce que Alassane Ouattara aime. Parce que je vais m'asseoir devant lui pour lui dire, le président sait que c'est noir. Il y a des gens, quand ils viennent, c'est noir, c'est pas noir. Ils voient le président, c'est rouge. Le président n'est pas, il n'est pas fou. Il dit, regarde un comédien comme ça, il veut me faire plaisir. Comment il dit c'est noir, eux même savent que c'est oui, il ne peut pas lui dire. C'est là que le président m'adore. Je suis sa fille adorable. Vraiment, merci pour les compliments. À partir d'aujourd'hui, là, les 300, les 500 associations, moi-même, je suis membre. Je vais atterrir aujourd'hui. Après les titres, je pourrai. Vous allez prendre ma cotisation parce que je dois adorer. Maintenant, ce que je peux dire à la présidente, je vais m'arranger pour que Alassane Ouattara vous reçoive. C'est ce qui fait peur aux gens. Quand on voit, c'est vrai qu'on est dans un même parti politique, quand on me voit avec des personnes, des hommes ou des femmes, il y en a qui sont dedans, qui sont jaloux. Ils se disent que s'ils sont avec elle là, le président va les voir. C'est quelle méchanceté ça? Il faut que les gens aussi de mon parti là, on arrête un peu. Vraiment. Si on aime le président, si on aime Alassane Ouattara, si on aime Dominique Ouattara, on ne peut pas faire un travail avec quelqu'un, on va se dire bon, si elle est avec elle, ou bien s'il est avec elle, c'est que c'est pour l'amener là-bas. Je vais vous amener vers le pire. Ils se sont accrochés à moi, comme à Bali. Ils se sont accrochés à moi. Ils sont devenus quelqu'un dans le pays là. Ils sont devenus directeurs. Ils sont devenus DG. Ils sont devenus PCA. Ils sont même devenus ministres. Pourquoi les gens ne peuvent pas s'approcher de moi? On est, comme on dit à Yopougon, on est au Koi. On est au Koi. Et on sera ensemble. À la table, là, il vous appartient à vous tous. Dominique Ouattara, c'est pour vous les femmes. C'est pour ça que je vais adhérer à l'association. Et puis nous allons prendre l'audience parce qu'il faut qu'ils voient les 500 associations. Il faut qu'on vous le sache. Je vais adhérer à ce que je vous ai dit. Le peuple aussi va venir pour là-bas. Il y a un peu ce que je vous ai ajouté. Ok. Non. Nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Nous ne pouvons pas prendre tout le monde. On aura à faire le tour d'horizon.
tout décharger votre œuvre. Après tout l'horizon, je vais prendre des Excusez.